on joue la récolte sur quelques nuits, sur une, deux ou trois nuits. Et bah, si on n'a pas de récolte, eh ben, pas de vente, pas de vin pour les consommateurs, etc. Donc c'est un gros problème, ouais, on va dire, pour nous et que pour tout le monde, en gros, et pour l'économie locale. Le climat change et c'est peut-être la vigne qui va être le plus... c'est la culture qui va être peut-être la première concernée par ce changement climatique. Les cycles végétatifs sont plus courts, sont différents, sont accélérés, ce qui fait que ben, voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue ou le chien qui se mord la queue. Plus c'est court, plus le cycle végétatif est court, plus la vigne va commencer à débourrer de bonheur et va donc être soumise à des températures négatives très tôt en saison, donc notamment comme là en ce moment au mois d'avril.